Raja Casablanca est venu gagner une Coupe africaine de confédération devant Coton Sport ici, toujours dans ce même stade. En Raja, en 2003, si j'ai bonne mémoire. Donc je connais bien les Marocains. Ils sont habitués au Cameroun et ils nous connaissent. Raja, c'est un club mythique du Maroc, ouais, du trône, qui a toujours fait des grandes compétitions africaines. Ils ont tout gagné par là, mais je vous rassure qu'ils ont gagné d'abord ici. Coton Sport ici, c'est là que je les ai bien connus. C'est un très grand club, reconnu en Afrique. Oh, voilà, je vais vous rappeler une date historique. Les éliminatoires, la Coupe du Monde 81, en Espagne, à Yaoundé, un certain Méry Crimo. Il y avait un match Cameroun-Maroc. Le dernier tour de l'éliminatoire pour aller en Coupe du Monde 82 en Espagne. Le Cameroun a éliminé le Maroc devant notre chef d'État, Amadou Ahidjo ici. C'était une fête très populaire. J'ai vécu ça en 1981, octobre. Et je vous dis une seule chose, que le stade était plein à 10h. Il y avait plus de 100 000 spectateurs dans ce stade, Mfanna, que vous voyez en face de moi là. Et le Cameroun, c'était sa première participation en Coupe du Monde en 1982 en Espagne, avec les Roger Mila, les Koundé Manuel, les Tokoto Jean-Pierre. Méry Crimo a été éliminé ici par les Camerounais, avec un certain Roger Mila qui a participé à 3 Coupes du Monde que vous connaissez dans le monde entier. Soyez les bienvenus et soyez en sûr que tout va se passer très bien. On vous attend et le Cameroun est prêt pour accueillir cette compétition. Et je veux juste vous rappeler une historique. Le Cameroun a organisé la Coupe des Nations en 1972 ici. Malheureusement, on l'a perdu en demi-finale. 50 ans après, c'est au Cameroun. Ça fait 50 ans que nous organisons. Et je vous rassure que cette compétition, ce trophée va rester au Cameroun. Je vous invite à rester avec nous pendant un mois de fête au Cameroun. Merci beaucoup.